Viens, deviens donc ici, que ce que les choses sont, ce qui est pour nous, advient ce qu'elle est elle-même. Mais le résultat de son mouvement sera de devenir pour soi-même cela même qu'elle est en soi. Il faut considérer l'activité de la raison, observant dans les moments du mouvement de cette activité où la raison reçoit chez elle la nature, l'esprit et finalement la relation de l'une et l'autre comme être sensible et telle qu'elle se cherche comme effectivité qui est.